Bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Lauriane Château, je suis guide énergéticienne, exploratrice de l'être et du vivant. J'accompagne les êtres sur leur chemin d'éveil à se reconnecter à leur essence à travers différents outils. Donc, je me vois un peu comme une palette d'un peintre avec différents outils en fonction de la personne, en fonction du groupe. Je vais m'adapter. Et chacune de ces pratiques que je propose dans mon activité, ce sont des pratiques que moi déjà résonnent en moi, qui m'ont aidé déjà sur mon chemin et qui m'aident toujours actuellement. Ayant connu la dépression, la maladie, c'est vraiment des outils qui moi déjà m'ont beaucoup aidé. Alors, il va y avoir différentes choses. Donc, il y a vraiment une partie sylvothérapie où là, je vais accompagner des personnes autour de bains de forêt. Autant en groupe qu'en individuel. La partie individuelle va y avoir un côté beaucoup plus libération des émotions, va y avoir un peu de parole, va y avoir vraiment différentes choses. Ensuite, c'est plus axé sur se reconnecter sur son enfant intérieur avec une pratique qui a été le début de. Le tout début de mon côté, c'est le yoga du rire qui aide à énormément de choses. Je vais également accompagner donc des femmes à se reconnecter à leur intimité, leur féminité, autant en groupe qu'en individuel. En individuel, ça va être plus avec la pratique de l'œuf de Yoni, faire découvrir comment est notre corps à l'intérieur, comment il fonctionne autour de notre cycle menstruel. Et à côté de ça, en groupe, je propose des bulles entre femmes, vraiment des lieux de partage, d'écoute, de sororité, de créativité également. Et ma dernière partie, donc ça va être beaucoup plus autour de l'énergétique, où là j'ai proposé vraiment différents soins, des soins autant, ouais, vraiment différents soins énergétiques. Et par la même occasion, je suis artiste créatrice. J'aime voyager à travers les formes, les couleurs et les matériaux. Et en fonction de la personne, je vais lui créer en fait une création énergétique. Et j'invite vraiment la personne après, dès qu'elle l'a chez elle, de la regarder, de se connecter avec elle un maximum. Quand elle a une phase également où elle ne se sent pas forcément en confiance avec elle ou autre, c'est vraiment se reconnecter avec cette création. Pourquoi je me suis inscrite pendant le programme de Nathalie Doc Laluna? Donc, je suis de la promo 2. À la base, quand je me suis inscrite, je cherchais un programme sur du long terme. Sur du long terme, donc là c'était sur 9 mois, et se retrouver entre femmes autour de cercles de femmes pour échanger, écouter, et c'est vrai que c'est très bien tombé cette année avec le premier confinement. Ça a été très important, très précieux pour moi d'avoir ces moments privilégiés, cet espace sacré entre femmes. Par la même occasion, je recherchais également, vu que j'adore, j'ai cette petite curiosité à chaque fois d'apprendre, d'expérimenter. Je voulais, avec les connaissances de Nathalie en tant que médecin, et puis je savais très bien au fond de moi qu'elle allait proposer d'autres pratiques que je ne connaissais pas forcément. Donc voilà, c'était vraiment cette association-là que je recherchais. Et puis, il y avait cette petite partie aussi de médecine ayurvédique, même si Nathalie ne va pas en profondeur dans le sujet de la médecine ayurvédique, parce qu'elle est vraiment très, très large. Il y avait ce petit côté-là aussi, ce petit piquant aussi, que j'avais envie de toucher un petit peu du bout des doigts. Comment me retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc vous avez juste à noter Lauriane Château. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, donc Lauriane Château pour mon compte pro. Après, j'ai deux pages. Donc, ma première page, c'est l'univers Doria, la féerie du bout des doigts. Donc là, ça va être plus autour de mes créations énergétiques.
Et la seconde page, ça va être Lauriane Château, guide énergéticienne, exploratrice de l'être et du vivant. Et également, vous pourrez me retrouver sur mon site internet laurianechâteau.fr. Au plaisir de partager avec vous, qui sait.